Bienvenue sur l'application CWD eSport. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où l'on va regarder plus en détail le menu et ses différents paramètres. Petit rappel, pour accéder au menu, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur l'icône en haut à gauche de votre écran. Dans ce menu, vous allez pouvoir retrouver vos sangles et vos selles dans l'onglet équipement. Vous n'avez qu'à cliquer sur mes sangles pour afficher toutes les sangles iPulse dont vous disposez, ou bien cliquer sur « Mes selles » pour afficher toutes vos selles High Jump. En cliquant sur la sangle « Enregistrer », vous pouvez accéder à ses paramètres et ainsi voir le niveau de batterie et également la mettre à jour si nécessaire. L'onglet suivant, qui s'intitule « Paramètres », va vous permettre d'accéder aux différents réglages de l'application. Si vous cliquez sur « Live », vous allez pouvoir régler la fréquence à laquelle le téléphone va vous donner les informations concernant la fréquence cardiaque, la vitesse et la cadence lors de vos séances. Par exemple, on peut choisir d'avoir ces informations à l'oral toutes les 90 secondes. Dans l'onglet « Informations », vous allez pouvoir retrouver les tutoriels qui vont vous expliquer comment connecter une nouvelle sangle ou une nouvelle selle, mais aussi la foire aux questions qui regroupe les questions les plus fréquentes. Vous pouvez aussi accéder directement au site internet de CWD en cliquant sur « Boutique ». Vous pouvez voir la version de l'application dont vous disposez. Enfin, dans l'onglet « Compte », vous pouvez modifier votre mot de passe si nécessaire, ainsi que vous déconnecter. Et voilà, ce nouveau tuto est terminé. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de ne pas louper la prochaine vidéo.